Domine Patris in Filii Spiritus Sancti. Vobiscus tandem benedicimus. In nomine Patris in Filii Spiritus Sancti. Que les saints et les saintes du ciel t'accordent leur grâce divine et t'empêchent de communiquer avec le démon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je suis tellement reconnaissante que nous ayons notre curé pour protéger notre petite fille Eljeanne contre les maléfices. J'avais déjà une fille et voilà que j'en ai une autre. Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Cher compère, tu vas devoir prier plus assidûment et te confesser à chaque semaine si tu veux un garçon la prochaine fois. J'en fais le serment, je ne souhaite aucunement qu'une fille prenne la garde des troupeaux. Cela ne ferait que nous ralentir. C'est que cet animal-là ne veut rien comprendre. Allez, mange donc. Jeanne, Pierlo, Bart dit que c'est à mon tour de monter la garde du troupeau. Vous avez toute la journée devant vous pour vous amuser et pour vous préparer à la fête. Dieu te bénisse, mon frère. Obligez-moi d'en décorer l'arbre des filles cette année. Et moi, je vais préparer le festin avec maman et Catherine. À bientôt, Jeanne. À bientôt. Bonum Santos Ianes Batista, bonne Saint-Jean-Baptiste. Bénissez, Seigneur, notre fontaine. Et tout bon chrétien qui créera sa fontaine en ce jour de fête de notre évangéliste Jean. Bénissez-nous, ô Dieu Tout-Puissant, de par le ciel et la terre, et par Jésus, ton Fils bien-aimé. In nomine Patris, in Filii, Spiritus Sancti. Amen. Amen. Allez en paix. Donc, comme je vous le disais, Jean de Bourgogne a été assassiné, ce qui a déclenché le début des hostilités. En notre bon roi de France, et ses bourguignons. Damogévilliers propose de protéger en loi son ancienne demeure. Seriez-vous intéressé à louer son domaine pendant 9 années consécutives pour 15 livres tournois et 5 immobiliers? C'est inacceptable! Et si on nous attaque, que ferait-on? Il s'agit d'ici de nous laisser à manger. Dans ce cas, j'ai un regret de vous annoncer que madame ne pourra conclure votre proposition. Si dérisoire soit-elle que pour 5 années, ni plus, ni moins. On ne peut pas être sans protection seulement pendant 5 années. Ça nous prend le château de la Meuse. Et nos oies doivent redevance à leur curé par Saint-Jean. On vous a entendu, mon père. Quelqu'un a une offre que l'on peut vous faire? Même si nous payons le prix fort pour le domaine, les pilleurs ou les bourguignons pourront nous assiéger quand ils le veulent. Nous n'avons aucun homme d'armes. Seulement une place forte. Mon fils dit vrai, il nous faut des hommes. Je vous entends, Jacques de Domrémy. Mais en ces temps de guerre, nous devons penser à nous en premier. Il sera donc convenu alors que nous pouvons y faire un effort pour nos deux parties. D'abord, le marché sera le suivant. 9 années de location du dit domaine, 14 livres tournois et 3 immeubles de blé. S'il s'avère que vous êtes sur le point de vous faire attaquer, envoyez-nous un coursier et l'on vous viendra en aide. Plutôt dire que nous sommes contraints. Où est-ce que nous signons? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu as au visage? L'une de nos bêtes t'a causé des soucis? Ils vont me le payer. Nom de Dieu! Je dois aller chercher notre curé. Ah! 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 Ah!
À nous la victoire! Si sa chienne Maxée doit être capturée, qu'on les mette au fer! Lâchez ces gens, pour t'es divine! Ils sont innocents comme des mules! Ah, tiens donc! Si c'est pas Messire Jean Minet, notre bon curé de Don Rémy. Vous voulez les libérer, curé? Sortez vos écus d'or! 12 écus par tête! J'en ai même pas assez pour en libérer un seul! Prenez-moi à leur place! Vous aurez peut-être une meilleure rançon si vous me capturez et me vendez à notre Sainte Mère l'Église. L'idée me plaît. Je vais enfin pouvoir profiter de ce moment. Les forts s'enrichissent, tandis que les pauvres périssent parce qu'ils sont trop faibles. Non, c'est un péché! C'est de frapper ces pauvres gars! C'est de la trahison! Comment osez-vous ramener à notre Église? Mais ce ne sont pas que de pauvres gens que nous avons capturés. Pas vrai, les gars? Oui, mon seigneur! Il y a aussi un clerc pour vous tenir compagnie. Après tout, vous êtes des conspirateurs contre la couronne de France si vous êtes dans ce village. Je ne suis pas parti de ce village. Je viens de Neuchâteau. Je suis de la famille à Don Rémy. On tabou d'amoison des commerciaux. Oh, silence, clerc! Si, nous avons confisqué tout ce que nous avons. Bien, très bien. Partons avant que les bourguignons contre-attaquent. Ils brûlent absolument tout. Prions ensemble. Notre Messie, notre Dieu le protégera. Saleté de scélérat, de ce robeur de Sarbrock. Osez capturer les bonnes gens du village voisin, les piller, les brûler. Et par-dessus tout, capturer notre bon curé. Tout ceci pour la bonne vie. Les bourguignons de temps en temps se querellent avec les hommes du roi. Non seulement notre curé, mais l'époux de ma sœur, très instruit qui serait fidèle. Même si vous écrivez à Notre-Dame, pour capter vos couleurs, ils n'en font rien. Encore moins pour les villageois de Maxée, ni pour Jean Minet ou pour votre beau-frère. Ah bon, et pourquoi cela? Un curé de paroisse et notre oncle qui est érudit, ce n'est pas rien. Ils ont une valeur auprès de leur communauté. Ils n'ont donc rien à perdre. Payer une rançon à son bien ou lui déclarer la guerre. Si Jacques Main, ils ont beaucoup à perdre. En temps de guerre, c'est chacun pour soi. Encore plus en déclarant la guerre à l'un des alliés des hommes du roi Charles. Leur écrire est le minimum que l'on puisse faire pour raisonner les puissants. Mais je doute que les capitaines de vos couleurs ou dames d'Ougivier sacrifient leurs alliances, leur or pour un seul curé ou un érudit, encore moins. Pour des villageois qui adversent. Pour quelque temps, nous n'aurons pas le choix que de nous réfugier au château de la Meuse. En effet, Jacques, cela reviendrait à se passer entre nous à manière. Je crains que la meilleure chose à faire est de commencer les préparatifs pour aller à la Meuse. Je vais aller annoncer aux gens du village à l'instant. Seigneur, faites que cela se termine bien vite.